Good morning, Aleid, and it's Rosh Rudel Nishmat, François Vajiman Hana, Janine Novil, Patrick Mazal Fritna, Klut, Shlomo Ben Shalom, et Ishaya Ben Ninda. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle, nous étions à Sahat Péa, Perigbet, Mishnah Chet, Tsaroua, Listim, Chetsiya, Vekatsar, Hu, Chetsiya, Noten Péa, Mimashé Katsar. Katsar, Chetsiya, Omachar, Chetsiya, Alokiach, Noten Péa, Lakol. Katsar Chetsiya veegdish Chetsiya a podem ya degizbar ro noten pea lakol. On a la première phrase de la Mishnah qui va continuer l'autre cas de figure de la Mishnah précédente. On avait appris la Mishnah précédente deux points. D'abord, si on va prendre le cas où il y a eu des voleurs qui sont venus pour. Ils ont cueilli tout mon champ avec un ensemble de voleurs, après ils ont tout laissé toute la récolte, je n'aurais pas le devoir de laisser la PA sur la récolte parce qu'elle était pas, elle n'a pas été cueillie de manière imposable. D'accord ? Les voleurs n'ont pas le droit de laisser la PA, c'est pas leur choix. Et donc du coup, ils ont contourné la PA, c'est comme le vent qui a fait tomber tous les épis, qui a cueilli tous les épis et qui a fait tomber tous les fruits. Je ne suis pas imposable de PA parce que c'est pas moi qui ai cueilli pour être moins imposé. Ça c'était le premier point. Le deuxième point qu'on avait vu, c'était le moment précis à partir duquel tu es, en théorie, imposable de PA, et que si à ce moment-là tu es dispensé, eh bien tu ne devras pas laisser les fruits. On avait pris donc le cas, c'était la fin de la Mishnah, et là on va voir la réciproque. On avait pris dans le cas de la Mishnah que si j'ai cueilli la moitié du champ, et j'ai prévu de revenir demain pour cueillir la deuxième moitié. Maintenant, lorsque j'ai cueilli la première partie, je n'étais pas encore imposable de PA. J'avais juste le devoir que lorsque j'ai au bout de mon champ, je laisse un bout de la PA. Ce qui se passe, c'est que dans la deuxième partie du champ qui était imposable, il s'avère qu'à présent, elle était cueillie de manière dispensée. Eh bien, on avait appris que je n'aurais pas le devoir de laisser la PA. D'accord? Maintenant, cas inverse. C'est le cas où la moitié du champ, elle a d'abord été cueillie par les voleurs, par le vent, la moitié du champ. Et puis moi, je suis parti voir, j'ai dit, bon, bah tant pis, je vais quand même cueillir l'autre moitié. La première partie, tant mieux, j'ai eu la chance de la jamais, j'ai pas eu le temps de payer les employés, ça a été fait tout seul. Pour la deuxième partie, maintenant, du champ, c'est moi qui vais cueillir. Je devrais laisser la PA. La question est de savoir, je devrais laisser la PA sur la deuxième partie qui est imposable ou sur tout le champ entièrement. Et la Mishnah vient me dit, eh bien, Tsaroua l'estime, si jamais il y a eu des brigands qui sont venus le cueillir, Chetsiya, ils ont cueilli la moitié. Mais Katsar ou Chetsiya, et après en deuxième situation, position, il est venu lui et il a cueilli la deuxième moitié du champ. Eh bien, Noten Pea Mimashe Kitser, il n'aura, Mimashe Katsar, il n'aura le devoir de laisser la Pea que de ce qu'il a cueilli. C'est-à-dire, tu dois laisser en théorie un soixantième de tout le champ, ou un soixantième de la moitié du champ qui est complètement imposable. La Mishnah vient me dit un soixantième du champ imposable uniquement. Donc un soixantième de la moitié, soit un cent vingtième. Ok. Ensuite, deuxième situation de la Mishnah, c'est que Katsar Chetsiya, maintenant j'ai cueilli la moitié du champ, j'ai le devoir, au moment où je commence à cueillir, que lorsque je vais finir, je devrais laisser un soixantième, même contre la partie que j'ai déjà moi-même cueilli. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai fini de cueillir la moitié du champ, j'ai vendu le champ à quelqu'un d'autre. La personne qui va l'acheter, un juif, kacher, la personne qui va acheter le champ maintenant, lorsqu'il devrait laisser la paix, il devrait laisser la paix sur sa moitié à lui ou sur tout le champ. La Mishnah vient et me dit, ben, il devrait laisser la paix sur tout le champ. Katsar Chetsiya ou Machar Chetsiya, si elle a cueilli la moitié du champ et après elle a vendu la deuxième moitié du champ à quelqu'un d'autre pour qu'il le cueille, eh bien, Alokeach Noten Pea la colle, ce sera le Lokeach, l'acheteur, l'acquéreur, qui devra laisser la paix pour tout le champ, en contrepartie de tout le champ. D'accord? Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on a un champ qui est entièrement imposable. Depuis le moment où je cueille, je suis imposable de laisser à la fin. S'il y a quelqu'un qui arrive par ma force à la fin, eh bien il s'avère que même ma première partie est imposable, mais malgré tout c'est lui qui devra assumer les frais de la. C'est lui qui devra assumer, c'est lui qui devra laisser le 60e de la PA. Katsar Chetsiya ou Machar Chetsiya, Alokiach Noten PA la colle, donc je reprends. Il a cueilli la moitié, il a ensuite vendu la deuxième moitié, Alokiach l'acheteur, il devra lui donner la PA pour tout le champ. Par contre, Katsar Chetsiya, non pas par contre, même situation encore. Que Katsar Chetsiya a cueilli la moitié, puis après, Beigdish Chetsiya. Après, il a sanctifié, il a donné au Beit HaMikdash l'autre moitié, le trésorier du Beit HaMikdash, il a rien fait qu'il a sur le champ, il a revendu à quelqu'un d'autre. Alors là, il faut bien comprendre, l'autre qui va venir maintenant racheter Katsar Chetsiya Beigdish, il a cueilli la moitié, et puis après, il a sanctifié donc la deuxième, il a donné au Beit HaKabayit, la deuxième moitié. Après, il y a quelqu'un qui va venir racheter donc, la deuxième partie. Il va venir racheter la deuxième partie. Eh bien, lorsqu'il rachète la deuxième partie, lui, il va être imposable de PA et il devra laisser la PA même sur la partie que moi-même j'ai moi-même cueillie.
Parce qu'il s'avère que le champ, il a été cueilli au début en vue de laisser la paix à la fin. Concrètement, il est arrivé dans les mains d'un Israël qui était imposable de laisser la paix à la fin. Ben, il devait laisser la paix sur tout le champ. D'accord? En faisant les mots, Katsar Khetia, il a cueilli la moitié, Vegdish Khetia, puis après il a sanctifié la deuxième moitié. Apodemé Adegisbar, celui qui va venir racheter du Gisbar ce champ-là, pour ensuite le cueillir lui-même, eh bien, où n'entend paix à la colle, il devra lui-même donner la paix pour tout le champ. Parce que tout le champ est imposable de paix. D'accord? En principe, que s'il avait vendu à quelqu'un d'autre, que c'est lui qui devrait laisser la paix pour tout le champ. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai une journée pleine de la sacrée comme tout.